Voilà, donc finalement, quand vous travaillez avec énormément d'acteurs sur des scènes très très vastes, et ça je l'ai déjà fait pour le développement de mon précédent, de mon jeu, ça peut très rapidement devenir super lent. Et ça peut même faire votre jeu, ça peut même crasher votre jeu. Donc, vous allez là, hein, vous les faites disparaître, vous savez qu'ils sont là, vous n'avez pas besoin qu'ils apparaissent parce qu'il n'y a pas de queue volume avec comment dire lorsqu'on est dans on va dire quand on est dans le viewport sans play, il n'y a pas de queue volume qui s'applique. Le seul queue volume que vous pouvez faire, c'est ça, hein. Par exemple, je vais prendre ça, hop, ils sont là, j'appuie sur F, voilà, ils sont là, hein, il n'y a pas de problème. Mon framerate est vert, donc on va dire que le jeu est en bonne santé. Et quand je play, bien entendu, le framerate est correct. Lequel volume s'applique? Vous voyez, ça disparaît petit à petit. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est pas super difficile. Bon, à comprendre au départ, j'avais du mal. Mais en gros, vous devez juste tenir compte du fait que ça fonctionne avec. Alors, quel volume? Ça fonctionne donc avec un quel volume que vous devez rendre le plus large possible. Il faut qu'il englobe toute votre scène. Et une fois que c'est fait, eh bien, vous pouvez faire disparaître les objets petit à petit en suivant cette formule. Assez simple, je sais. Il y a peut-être mieux. Mais en gros, vous commencez à 0 pour un call volume de 0. Et quelle distance, pardon, de 0. Et vous mettez ensuite un size de 2 ou 1. De toutes les façons, ça correspond à ces sizes-là. Et comme vous pouvez le voir, il faut zoomer très près pour arriver à quelque chose comme 2 ou 1, hein. Voilà. Alors, ça peut marcher pour les objets, par exemple, qui ont été agrandis. Si vous agrandissez un objet, eh bien, son size augmente. Du coup, il faut zoomer davantage pour, comment dire, quand on est près de cet objet-là, son current size ne sera pas à 1, mais à 5 par exemple. Donc du coup, c'est pour ça que si vous voulez le faire disparaître, il faudra augmenter le screen size. Mais habituellement, la plupart de vos objets seront un screen size de 1. Donc du coup, à partir de 1, donc tous les objets qui ont un current size de 1 à l'écran disparaissent au-delà de, enfin, au-delà de la de 500 de distance. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc en gros, au-delà de 500 de quelle distance, les objets disparaissent. Par exemple, si je mets à 100, alors ça fera disparaître très rapidement tout ce qui est à proximité du personnage. Disons que si je mets, voyons voir, je peux mettre à 5 même. Ça fera quelque chose d'assez bizarre. Bon, voilà. Je marche dans le néant, mais en fait, les objets sont là, mais ils ont disparu. Voilà. Donc, c'est tout ce que je pouvais dire. Donc, en gros, pour résumer, le cut distance. Ensuite, le petit œil là, ici, dans le World Outliner, qui vous permet de gagner encore du FPS. Et bien entendu, le LOD. Hein, on le répétera jamais assez, mais le LOD c'est super. Alors, ici j'ai juste fait un LOD de Static Mesh, mais pour faire un LOD de Skeletal Mesh, il s'agit de quelque chose de complètement différent. J'ai pas encore regardé, mais je vais le faire bientôt. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker ou de disliker, de commenter, de poser des questions si vous voulez plus d'informations. Et je n'hésiterai pas justement, eh bien, à vous répondre. Allez, à la prochaine.